tout le monde, me voici pour ma deuxième vidéo. J'espère que vous aimez ça à date notre lancement parce que Eve et moi, on a travaillé très, très, très fort avant, pendant et au retour des vacances pour vous éblouir avec nos projets. Alors, je vous conseille de faire comme moi puis de vous prendre une petite tisane, un petit café puis de vous asseoir devant les vidéos. On les a fait plus longues que les vidéos qu'on propose habituellement sur en ligne, dans le fond, exprès pour que vous en ayez plus. Il y a plus d'explications, plus de projets. C'est comme l'équivalent de si on vous donnait deux cours en ligne en cadeau cette semaine. Alors aujourd'hui, pour ma présentation, je vous montre la prime Celebration Crois en toi. C'est la prime qui a attiré mon œil pour son côté rigolo. Je trouve qu'on n'en a jamais assez des jeux d'étampes qui sont rigolos et qui peuvent faire autant pour des bébés, des enfants, des ados, des hommes, des femmes. Bref, je trouve que c'est vraiment le fun. Et pour celles qui ne le savent pas, dans le fond, ça c'est une prime celebration. Vous allez voir là, c'est écrit dans le haut ici. Ça veut dire que vous pouvez l'avoir en cadeau, vous commandez. Placez une commande de 60$ dans le catalogue annuel, catalogue occasion, peu importe. Vous magasinez là et vous choisissez vos primes dans la brochure ici. Et ça, c'est une prime, vous allez voir, il y a des plus grosses primes si vous avez une tranche d'achat de 120$. Et il y en a des primes aussi pour achat de 60$. Donc, il y en a pour toutes les bourses. Et pour répondre à une question qui arrive souvent, vous pouvez, oui, choisir deux primes de 60$ pour un achat de 120$. Vous n'êtes pas obligé de choisir une prime de 120$. Donc, c'est un pin-up à penser à tout le monde. Et ce n'est pas juste des jeux d'étampes. Il y a des papiers design, des rubans, une trousse de cartes qui est très, très jolie d'ailleurs. Vous allez l'aimer beaucoup. Alors, bref, sortez votre liste de souhaits. Je vous le répète à chaque vidéo parce que ça va vous aider à mieux vous comprendre parmi toutes les nouveautés qu'on vous présente. Alors, je vous laisse tout de suite. On va aller bricoler ça dans mon atelier. Et j'ai décidé de vous montrer une petite carte avec un pliage original très rapide, mais qui va aller très, très bien avec la thématique de grenouilles sautillantes ici. Alors, vous allez trouver le jeu Crois en toi en page 13 de la brochure Celebration. Alors, je le rappelle, vous magasinez dans le catalogue annuel et dans la brochure ici, dans le catalogue en toute occasion, et vous choisissez vos primes ici. Donc ça, c'est des primes qu'on ne peut pas acheter. On les mérite en commandant dans ce catalogue-là et le catalogue annuel, tout ce qui est en vigueur en fond. Alors, page 13, vous avez le jeu des tempes ici et on voit qu'il est gratuit dès que vous atteignez 60$ d'achat avant taxes et transport. Et vous avez des belles idées ici. Vous voyez qu'ils les ont coloriés avec les Stampin' Blends, mais aussi probablement avec crayon estompe. Ça se fait très bien avec Aqua Painter aussi. Et regardez la belle scène qu'ils ont créée. Et ils mettent en dessous avec quel produit ils les ont créés parce qu'il y en a qui viennent du catalogue en toute occasion et du catalogue annuel. Donc, regardez bien les petites informations sous les images. Ça peut vous guider vraiment beaucoup. Et je le dis tout le temps, la coordination des produits, c'est une très, très grande force qui distingue Stampin' Up de beaucoup de compagnies. Donc, regardez comment c'est le fun. Ici, j'ai décidé de bricoler avec le beau papier design qui fait partie de la collection ici, Vichy Somptueux. Et c'est très, très, très tendance. Je ne sais pas comment ils font les designers de Stampin' Up pour savoir, c'est planifié au moins un an d'avance, qu'est-ce qui va être tendance l'année prochaine et nous sortir tout le temps, bang, pile dans les tendances. Alors ici, les papillons, c'est très, très hot là. Et puis les petits carreaux également. Donc ici, ce qui est le fun, c'est que vous avez le beau papier de la série design Vichy Somptueux qui est vendu en 6x6. Regardez ça. Donc, vous avez des beaux petits carreaux d'un côté et de l'autre côté, les plus gros carreaux. Et ça va être passe-partout, mes amis. Vous allez adorer ça. Et quand je parle qu'ils sont des as pour la coordination, c'est que vous pouvez acheter ce paquet de papier-là. Et quand vous atteignez 60$ d'achat, vous pouvez avoir les rubans. Et regardez ça. Je crois que c'est organdi.
Ils sont très, très beaux. Donc, ruban organdi, 1/4 pouce, qui sont dans les mêmes couleurs que le papier ici. Regardez, c'est beau. Je vais me servir de ces deux-là aujourd'hui. Alors, c'est vraiment là la coordination des couleurs sans casse-tête. Je vous montre comment on va créer ici cette petite carte-là qui pourrait être offerte à un enfant, un ado, même un adulte. On peut même changer le vœu. Donc, ton talent n'a pas d'égal. C'est tout simple. Et quand on l'ouvre, je vous ai dit que ça irait avec le thème des grenouilles. Donc, les grenouilles ici... sautillante. On aurait pu aussi, je l'ai fait pour un autre projet, aller tout simplement couper pour éviter ici l'unicycle et ça nous fait une grenouille qui saute dans les airs. Donc, vous auriez pu en mettre plus qu'une. Alors, on va faire ça ensemble et vous pourriez décliner ça dans toutes les couleurs ici de cette belle palette-là pour avoir un jeu d'étampes, un ensemble de cartes plutôt qui va être coordonné. Alors, on commence avec notre coupe-papier. Je commence tout le temps, c'est une déformation, je pense, chez moi, avec du papier murmure blanc parce que j'adore le blanc. Donc ici, c'est une base standard. C'est une feuille 8,5 par 11 coupée en deux. Et on vient faire notre pli, dans le fond, à 4 pouces et quart pour vraiment plier en deux. Ensuite de ça, ça nous prend une doublure à l'intérieur pour venir faire notre petit pliage original. Je l'ai fait en béguin bleu. Ici, je vais le faire en limonade à la limette, juste pour varier, dans le fond. Alors, vous venez encore couper une demi-feuille, mais là, vous allez enlever 1/4 pouce dans chacun des sens. Et comme ça, ça nous fait la petite bordure blanche tout le tour. Vous pourriez aussi ne pas mettre de bordure blanche et laisser ça tel quel. Ça pourrait être très joli aussi. Donc, pendant qu'on a notre bordure ici, je vais venir la plier en deux. Et on n'oublie pas, on sépare nos lames, c'est toujours mieux. Ici, enfoncée, c'est celle qui coupe et la plupart, c'est celle qui fait un pli. Donc, vous voyez, j'ai mon pli ici. Je veux aller faire ma partie qui rebondit. Je ne calcule pas vraiment. Je me mets en diagonale et je passe à plusieurs reprises parce que j'ai deux épaisseurs. Voyez-vous? Donc, ce que ça va faire, c'est que je vais faire entrer ça vers l'intérieur et je trouve ça important d'aller prendre un plioir en os. Parce que là, ici, là, ça fait une épaisseur. Alors, je me place bien, bien égale dans mes coins et je pousse par là pour que ce soit mes plis qui boivent un petit peu, si on peut dire, l'excédent. Donc, ça va s'en aller vers l'extérieur et je vais rester avec une belle bordure bien droite à coller ici. Donc, voyez-vous, ça s'est fait en quelques secondes. Pour coller, on n'oublie pas... je vous incite à le faire en premier comme ça pour faire un beau pli, mais aussi parce que si vous attendez de le faire à la dernière minute, vous pourriez le laisser à l'extérieur et le coller, ce qui ne ferait pas du tout une carte qui bouge dans le fond, qu'on appelle ça. OK? Donc, j'aime bien venir le faire avec ma colle liquide parce qu'elle me permet de me repositionner. Là, on met vraiment notre pli au pli. Et on balance en haut et en bas. Vous voyez là, ma petite lame a besoin d'être changée parce qu'elle commence à faire une petite dentelle là. Dans ce temps-là, vous pouvez prendre un petit bloc à poncer. Vous n'avez pas à ruiner votre papier, vous dire il est plus bon, il s'en va à la poubelle, mais c'est préférable de changer de lame. Et si vous suivez mon site, je vous ai fait une vidéo « Comment prendre soin » de votre coupe-papier, le nettoyer, faire l'entretien, ça va paraître bientôt. Donc, restez branchés. C'est pas compliqué, on vient refermer par-dessus. Voilà. Ça se peut qu'il y ait un petit lousse ici, là, au centre. Des fois, ça arrive. Mais dans le fond, ça paraîtra pas beaucoup. OK, notre œil va être attiré vers la grenouille ici. Là, je vais décorer l'extérieur, mais je ne ferai pas au complet pour... j'aime pas ça, dans le fond, j'ai de l'étampage à faire ici. Je veux pas avoir trop d'épaisseur ici. OK, maintenant, je vais étamper
ici mon arrière-plan, je vais y aller en versamarque, mais je voulais absolument vous faire remarquer que les étampes amovibles viennent de sortir. Donc, ça colle vraiment beaucoup. J'ai pas appliqué de pression, là. Vous allez voir, je fais juste touc, ça tombe plus. J'ai même pas besoin de presser pendant 10 secondes comme avant. Donc, c'est vraiment un plus. Je vais vous faire, si vous ne l'avez pas déjà vu, là, une vidéo juste là-dessus. Tellement c'est le fun, le petit changement que. Ben, c'est un petit changement qui fait une grosse différence dans notre expérience détampeuse. Alors, ici, je viens en versamarque parce que je veux l'avoir en ton sur ton. Parce que je vais écrire par-dessus. J'aurais pu varier mes étampes, là, mais je la trouvais. Je l'aime beaucoup, cette petite grenouille-là. Donc, quand on veut écrire par-dessus, je trouve ça l'idéal, le versamarque, ça ne distraira pas trop notre œil. Ici, ce n'est pas un papier 12 par 12, donc si je veux faire toute ma longueur, je prends deux pièces. J'ai coupé ça 1 pouce et 1 8 dans le fond. Ça peut dépasser un petit peu, là, c'est pas grave. Ça va être 1 16e. Ou un 32e de pouce, là, c'est comme même pas un millimètre. Là. Alors, je vais venir me placer ici et essayer d'envoyer sur plus vers le centre ici. C'est sûr que si vous êtes pressé, vous n'avez pas beaucoup de temps ou d'énergie pour bricoler. Vous pourriez sauter l'étape du pliage original ou enlever des étapes tout simplement. C'est sûr qu'ici au milieu, là, c'est pas parfait à cause de la jonction des deux. Et surtout parce que j'avais une petite bosse. Quand j'ai collé ici, là, j'ai laissé un petit vide. Et je me suis dit, c'est pas grave. Bref, ça paraîtra plus, je pense, quand on va avoir le look final. Ici, c'est un rappel. Vous savez comment je travaille fort pour vous mettre dans la tête que c'est important, les rappels. On a utilisé ici deux bandes noires, on fait un petit rappel à l'intérieur. Aussi simple que ça. Et là, on va faire notre grenouille. Quand vous voulez décoller vos étampes amovibles, elles sont tellement collées qu'il faut faire attention. Moi, je glisse un petit peu mon ongle pour aller décoller mon étiquette. Et voilà. Voyez-vous comment c'est pas compliqué? Là, je vais y aller avec l'encre Memento parce que je vais me servir de mes Stampin' Blends. Alors, si vous ne connaissez pas encore les Stampin' Blends, vous manquez la plus incroyable expérience de coloriage. Je vous jure, moi, je suis totalement en amour avec ça. Alors ici, j'ai choisi grenouille guillerette. Et puis, je vais peut-être prendre un vert olive le plus foncé pour aller faire les petites... si vous avez... Je vous montre ici, là, si vous choisissez de faire celle-ci, j'ai été ajouter un petit peu de vert olive sur les petites... les cercles, là, sur son dos, là. Alors, j'aime bien, pour commencer, aller faire ma couche de fond. Je vais prendre ma pointe plus petite. Je trouve que ça m'aide beaucoup de faire cette petite couche de fond, là. Parce que les encres se mélangent super bien après quand j'applique ma couleur plus foncée. Je pourrais aussi, moi je vais souvent appliquer la plus foncée en premier. Mais je remarque que quand je me fais une petite couche de fond, ça va toujours mieux. Donc là, je vais décider où je veux qu'il y ait de l'ombre sans trop me casser la tête. Ici, c'est sûr que son petit bedon fait de l'ombre à ses jambes, hein, on comprend. Oups, j'avais oublié. Cette petite main. Je ne sais pas trop. Des fois, je veux donner une impression de rondeur. Donc, là, ça a l'air fou comme ça. Mais ça n'aura pas l'air fou longtemps. Ça
C'est facile, les Stampin' Blends, là, vraiment. Puis moi, c'est une expérience de détente. J'en étends plusieurs, j'amène ça au chalet et je colorie pour me détendre la fin de semaine. Voyez-vous, je veux laisser... On peut voir des fois les coups de pinceau, comme on pourrait dire. C'est plus artistique, je trouve, que de voir des beaux dégradés tout le temps parfaits. Et voyez-vous comment c'est pas compliqué? Pour le petit bedon, j'ai pris sous l'écume, qui est très très pâle. Je voulais faire une variante. J'aurais pu faire son petit bedon encore avec grenouille guillerette, là. Il faut vraiment mettre plus avec le plus foncé parce que la différence entre les deux couleurs n'est pas énorme. Donc, voyez-vous, comme j'ai déjà fait ma petite couche de fond, ça se mélange tout seul sans que j'aie besoin de repasser. Alors là, on s'amuse à découper. Alors, j'ai été chercher avec les pyramides de cercle un cercle festonné noir qui est à peine plus grand. Je voulais pas que ça prenne trop de place visuellement, le noir, mais je voulais faire sortir ma grenouille. Et là, je viens de le faire dans le blanc, mais sur mon original, c'était bleu. Je voulais vous montrer la différence entre les deux. Vous allez pouvoir choisir ce que vous préférez. Vous avez même une petite couronne ici que vous pourriez venir y étamper. Je l'avais sur mon original. J'ai été m'amuser avec le lot ici, Vie Formidable. Ça fait des années que j'attendais que Stampin' Up! Sorte des framelits rectangulaires avec une surpiqûre en plus. C'est génial. Avez-vous vu comment il y en a beaucoup? Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est énorme. Ça, là, quand j'ai vu ça dans le catalogue occasion, mon cœur a arrêté. Et là, quand j'ai vu qu'il l'offrait en duo, en lot avec ce jeu d'étampes-là, puis que je pouvais avoir ça à 10%, j'ai pris les deux. Et vous savez quoi? Je me disais, ben j'ai déjà plein de jeux avec des vœux. Vous allez voir beaucoup de projets sur mon site avec ce jeu-là. Il est tout simplement merveilleux. Donc, un jeu en résine, des vœux de toutes les grosseurs. Et j'adore particulièrement celui-ci. Il y a plein de petits éléments qu'on peut venir utiliser avec. Je vais l'utiliser beaucoup sur mon site. Alors, si on revient à nos rectangles ici, je veux vous montrer, je vais m'en servir beaucoup, là, c'est sûr, sur mon site. Mais en attendant, pour vous montrer une petite primeur de ce que ça fait, vous pouvez l'utiliser avec le tapis de gaufrage pour aller regarder, c'est beau des deux côtés. Vous allez gaufrer, ça vous fait deux petites surpiqûres autour d'un petit pli tout discret. Donc, si vous l'utilisez avec un tapis de gaufrage, c'est ce que ça donne. Et sinon, eh bien, vous allez couper avec la petite lame qui est au centre et vous allez avoir une surpiqûre comme ici. OK? Parce que l'autre, dans le fond, elle est, là, il est trop grand, là, mais l'autre surpiqûre est sur l'extérieur. Donc, on l'obtient si on gaufre avec. Alors maintenant qu'on a fait l'intérieur, il nous manque notre petite grenouille ici. Voyez-vous la différence sur fond bleu et sur fond blanc? Je préfère le fond bleu. Ici, ce que je pourrais faire, ce serait venir ancrer en bleu. Tiens, tiens, je vais me permettre de le faire. C'est ça qui est le fun d'être dans un lancement de catalogue. Mes vidéos sont plus longues. J'ai plus de temps que ce que je mets sur mon blog d'habitude. Alors voyez-vous, je vais vous avoir montré une variante de plus. Alors, prenez-vous une tisane, un thé, un café, asseyez-vous avec Eve et avec moi et puis découvrez les nouveaux produits. Remplissez la liste de souhaits qu'on vous a mise. Ça va vous aider à vous y retrouver avec vos coups de cœur parce que des fois, on oublie dans les jours, les semaines qui suivent. Mais je vous incite vraiment à ne pas tarder pour commander puisqu'on va faire un tirage parmi celles qui vont commander pendant le lancement. Un tirage de plus qu'un tirage. Donc, il va y avoir plusieurs produits, plusieurs gagnants. Voyez-vous ici, ça sort un petit peu plus. Je pourrais décider ici de venir mettre du bleu aussi dans le bas. Et là, je suis tout en train de changer mon modèle. Mon modèle pour essayer. Je voulais vous montrer deux variantes. Ça, c'est moi, là, c'était pas prévu.
Regarde, on y met les petites pattes dans l'eau, c'est encore mieux. OK? Et ici, ce qu'on va faire, je sors mes petits points de colle parce que je suis une paresseuse quand je bricole souvent. Et mes rubans que j'aime beaucoup. On va venir ajouter un contraste en utilisant le vert. Hey, c'est-tu pas beau ça? Moi, j'adore. Donc, je viens couper ici et j'utilise mes points de colle pour venir tenir ça solidement. Et là, je pourrais venir faire une double boucle. Avez-vous ici, j'ai superposé une boucle bleue puis une boucle verte. Ce que je pourrais faire également, voyez-vous, ça va être comme ça. L'autre solution, OK, ce que j'avais fait là, j'ai fait une boucle comme ça. J'attache avec de la ficelle blanche et je superpose avec une bleue. OK, c'est pas compliqué. Là, l'autre petit truc que je fais souvent, vous m'avez déjà vu le faire, je vais prendre les deux et je vais prendre faire mon nœud. Et là, je l'ai serré fort, là, mais vous pourriez ne pas le serrer fort pour pouvoir le promener. Dire, OK, je vais mettre ma grenouille ici. Donc, je veux qu'il soit un petit peu plus par là. Mais là, j'ai serré un petit peu trop fort. Mais vous m'avez déjà vu faire ça. Donc, voyez-vous, vous avez une autre version ici que je vais coller. Et on fait attention de ne pas mettre... je la fais sortir quand même beaucoup, ma grenouille, là, ici, à l'extérieur. Donc, on met nos adhésifs plus ici. Avec l'ancrage à l'éponge, je perds un petit peu ma surpiqûre autour. J'aurais aimé mieux la garder. Donc, si c'était à refaire, là, je mettrais mon fond bleu comme ça. Là, il me reste à aller coller ma grenouille à l'intérieur. Mais avant, j'allais oublier, je trouvais ça le fun d'aller mettre un psst. Hey, ton talent n'a pas d'égal. C'est un peu ça que j'avais en tête. Donc, avec mon Versamark, on peut venir en mettre plus ou moins, là, dépendamment des goûts. Voilà, je trouve que ça apporte un petit plus. Mais je préfère de loin, sans ancrage, parce que moi, je suis une maniaque du blanc, vous me connaissez, hein? Et là, si je veux aller coller ma grenouille à l'intérieur, il faut que je pense à quelque chose. Je ne peux pas la mettre n'importe où. Parce que si je la mets, comme là, elle est longue, celle-là, je la mets plus ici, quand je vais fermer, sa patte va complètement plier. Et puis, ça se peut que la position que je vais mettre, si vous vous placez comme ça, puis vous dites « Ah, je la veux comme ça », mais ça se peut que quand ça va fermer, voyez-vous, regardez ce que ça fait à votre roue. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on vient vraiment se placer à demi-fermé pour dire « OK, je la veux comme ça » et ça fonctionne comme ça. Voilà, ou un petit peu plus comme ça. Je vais aller voir si ça fonctionne. Avant de coller définitivement, oui, la petite patte ici, là, le petit bout est vraiment trop sur le bord. Mais je pense que ça fonctionne. Vous allez le voir en fermant, sinon, bien, vous ajustez. Et vous pouvez même dire, je vais venir en coller une autre, tiens. Je peux en garder une pour mon enveloppe aussi. Je trouve ça le fun, ces cartes-là. Voyez-vous, c'est un petit pliage de très, très facile, mais qui va faire wow, assurément. Autre petite chose que je pourrais faire, ce serait prendre ma colle de précision aussi. Et il a des lunettes, notre petit ami ici. Je vais venir... J'aurais pu colorier un petit peu ses yeux, hein? Je les ai laissés blancs. Mais je trouve ça le fun parce que ça va faire un petit peu bomber. Celles qui ont du cristal effect, on n'en vend plus, là, mais vous pourriez en mettre également. Ça vient faire les lunettes de mon petit intello ici. Et il faut laisser sécher bien comme il faut. Alors voici ce que j'ai fait. En fait, j'ai pris ce que j'ai fait pour vous montrer les beaux framelits rectangulaires. Et je suis venue l'appliquer sur mon enveloppe. À l'envers. C'est ma grenouille qui colle à l'envers. Et puis, j'ai collé la petite grenouille que j'avais en surplus. Donc, ça fait encore plus joli quand vous allez
postez ça parce que je vous encourage à poster vos cartes. C'est une tradition qui se perd. C'est notre responsabilité de garder ça actif. Alors voilà, c'était mon premier projet avec cette prime célébration ici, Crois en toi. Alors, n'oubliez pas les fameux rubans qui sont coordonnés avec les beaux papiers. C'est de toute beauté. Alors, je vous invite à me donner vos commentaires, puis aussi à participer au jeu, parce que il va y avoir des tirages, comme j'ai dit tantôt. Les plus beaux tirages vont être réservés, bien sûr, parmi celles qui commandent, mais il va y avoir aussi des tirages de participation. Alors, je suis ici en ligne, et Eve aussi est beaucoup là, en continu pratiquement pendant ce lancement-là. Donc, gênez-vous pas, on est là pour vous, et je vous souhaite une bonne continuation de journée.